Bonsoir à tous les amis gosses. Les gars, je fais un débrief pour le Portugal. Je devais faire un débrief pour la France, mais je pensais qu'ils jouaient ce soir, les frères. La vie de ma mère. C'était juste pour vous prévenir, mais mardi, non, demain soir, pardon, vous inquiétez pas, il y aura un débrief face au Danemark. Donc voilà, et mardi soir. Un autre débrief pour le Portugal. Ils n'ont pas intérêt d'être complexés. La vie de ma mère ce soir. Je sais pas s'ils étaient complexés, mais en tout cas, ils ont une efficacité, les gars, incroyable. Pardonnez-moi si je parle du pif, les gars. La vie de ma mère, ça fait une semaine et demie, je suis malade, j'en peux plus, les gars. Incroyable. Mais les gars, ce soir, une efficacité, les frères. 6 tirs, 4 buts, les gars. Qu'est-ce que tu veux de mieux? La vie de ma mère. La vie de ma mère, incroyable les gars. Vous avez vu qui c'est qui a marqué des buts les gars? Diogo Dalot, la vie de ma mère. Savez-vous où il a été formé ce petit jeune, ce petit crack les gars? La vie de ma mère. La vie de ma mère, il a été formé là les gars. Ça se voit, ça s'est ressenti ce soir. La vie de ma mère. Incroyable les gars, incroyable. Il a été insane frère, il a mis une frappe du milieu de terrain et du gauche les gars, de son mauvais pied, sachez-le, son mauvais pied les gars, du gauche les gars, incroyable. Enroulé frère, le ballon il a tourné de base, c'était parti au poteau de corner et d'un coup, oh tel un virage au rallye frère. Incroyable, Sébastien Loeb le ballon, c'est la vie de ma mère, un dérapage les gars, effrayant, incroyable. Les gars, faut souligner quand même les. Pour moi, un choix fort du coach, les gars. La vie de ma mère. Comment tu vas mettre Mario Rui à la place de Nuno Mendes? Voilà, quand j'ai vu ça, je voulais le pifrer sa tante. La vie de ma mère, c'est vrai. Mais les gars, vous avez vu la qualité de centre de Rui, les gars. La vie de ma mère, Rui. Oh, je sais même pas où il joue. Je sais qu'il est passé par Naples, mais je sais même plus s'il y est. Je sais même plus. Je sais même pas, absolument pas, les gars. La vie de ma mère, on dirait Narcos. La vie de ma mère, avec sa petite moustache et ses cheveux longs, on dirait Narcos, les gars. Incroyable. Ça prouve bien que le physique ne fait pas tout, les gars. Rassurez-vous. La vie de ma mère, incroyable. Bruno Fernandes, on t'a pas beaucoup vu ce soir, mais pour le peu qu'on t'a vu, t'as été chaud, la vie de ma mère. Bon, on n'aurait pas gagné 4-0, j'aurais pas eu le même discours, les gars. La vie de ma mère sur Bruno Fernandes. Hein. Oh, on l'a pas vu, frère. Il a touché deux ballons. Bon, sur deux ballons, il a failli faire une passe décisive et il a marqué, les gars. Il y a pire quand même comme statistique, les gars. Les gars. Après, il y a eu qui? Léao. Oh là, Léao, tu me dégoûtes. De jour en jour, à chaque fois, je te vois jouer pour le Portugal. Mais dès que je te vois jouer avec le Milan AC, t'es incroyable, frère. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ta nation? Qu'est-ce qu'il y a, frère? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas dans la, t'es pas dans la, dans le, dans le, dans le, dans la vision de tout le monde, donc tu le prends mal, qu'est-ce que t'as? T'es frustré, la vie de ma mère, c'est vrai, les gars. Oh, frère, incroyable. Il a le potentiel de. Oh, il court plus vite que la terre entière, frère. Il court plus vite que Kylian Mbappé, frère. Il n'en profite même pas. C'est grave, les gars. C'est grave. Bon, il a quand même fait une passe décisive, les gars. C'est pas rien, mais quand même, frère. Il aurait pu faire 10 fois mieux. Il aurait pu briller 10 fois mieux. La vie de ma mère. Lui, dites-vous que quand CR7 il va partir à la retraite, ça va être lui la star, voilà, la star de la marche, les gars. Il fait que marcher sur le terrain. Il me dégoûte, frère. Il s'est pris pour Lionel Pepsi, le mec. Incroyable. La vie de ma mère, c'est vrai. Moi, il y a un joueur qui me choquera par contre tout le temps, les gars. Tout le temps, ce joueur, il me choquera. Je sais pas comment il a touché de ballon ce soir, les gars. Mais il en a perdu zéro, je tiens à vous le préciser. Bernardo Silva, la vie de ma mère, c'est grave. Pourtant, il fait toujours le même dribble, les gars. Il fait toujours le même dribble. Il prend le ballon, il rentre dans l'axe sur son pied gauche. Il est toujours sur son pied gauche, frère. Oh, à première vue, tu te dis, oh, le mec, c'est trop facile de défendre sur lui. Mais les gars, tellement que ce mec, il est technique et tellement que ce mec, il est propre dans tout ce qu'il fait, les gars, il perd jamais le ballon. La vie de ma mère, Bernardo Silva, il me choque, les gars. Il me choque, la vie de ma mère, c'est vrai. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de notre génération, les gars. La vie de ma mère, dites-moi si vous êtes d'accord, les gars. C'est incroyable, les gars. Incroyable, ce mec. Il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas fait de passe décisive, mais il a été tellement important dans le jeu, les gars. Tellement important dans la possession. La vie de ma mère, c'est vrai. Et les gars, d'ailleurs, je tenais à vous préciser un truc, les gars. Si l'autre, là, Patrick Schick, le mec, il marque 30 buts par saison, les gars. La vie de ma mère, ne pensez pas que le penalty raté, c'est anodin, les gars. La vie de ma mère, hein. Oh, pour une seule raison. Oh là, il n'y a pas main de CR7. Comment. Oh,
Il a pris un choc, les gars. Un choc MMA, les gars. Il a pris une patate à la... On dirait qu'il était sur un ring de MMA, frère. Incroyable. Il était perturbé, le mec. Perturbé. Donc, il n'y a pas main. Ça, c'est la première chose. Et il y a l'effet Diogo Costa aussi. Oh, quand tu vois Diogo Costa, cette montagne humaine dans les buts, il est impressionnant. Il est plus impressionnant que Neuer. Plus impressionnant que Ter Stegen, plus impressionnant que Courtois, les gars. La vie de ma mère, t'as peur, tu te chies dessus. Tu perds tous tes moyens, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Il a vu, frère, il a dit, vas-y, laisse tomber. Au début, il devait tirer. Je vous dis, les gars, il a changé de décision à la dernière seconde. Il devait mettre une panenka et finalement, il a eu peur tellement que Diogo Costa, il a perturbé, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Il s'est fait perturber, du coup il a voulu tirer fort. Et du coup c'est parti au-dessus, les gars, et c'est la vérité. Pourtant il était chez lui, les gars, devant tout son public. Tout le monde l'a encouragé. C'est uniquement un homme qui l'a perturbé, les gars. C'est Diogo Costa. Et je tenais à le préciser, bordel, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Incroyable, les gars. Parlons maintenant de CR7 pour finir, les gars. CR7 miskine. Franchement, les gars, sur 10 joueurs, vous mettez 10 autres joueurs à la place de CR7. Combien seraient sortis? Combien auraient abandonné leur équipe? Dites-moi, les gars, dites-moi, la vie de ma mère. Pour moi, 9, les gars. Mais il y a un seul homme. Un seul homme. Et c'est pour ça que tout le monde le respecte. Malgré ses ratés ce soir, parce qu'il en a raté pas mal, on va pas se mentir. Il aurait pu marquer, les gars. Mais les gars, Cristiano Ronaldo n'a plus rien à prouver dans ce monde, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Vous avez vu hier, Roger Federer, il a pris sa retraite, les gars. Mais frère, les frères, dites-vous que ça faisait au moins, je sais pas, un an qu'il n'était pas dans les radars, un an qu'il jouait plus, un an où qu'il jouait, il se faisait éliminer en huitième de finale ou un truc comme ça. CR7, c'est la même chose, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. CR7, il aurait pu sortir, abandonner ses collègues. Mais les gars, CR7, il est resté sur le terrain jusqu'à la 90e minute, les gars. Et il a assumé son poste de buteur, d'avant-centre, les gars. Et il a craint personne, miskine, oh là, il avait la tête en sang, les frères. Oh, je vous dis, les gars, ils auraient mis un ring de MMA, les gars, la vie de ma mère, ils auraient pas mis un ballon de foot et plein de joueurs, t'aurais mis un seul mec, t'aurais mis le gardien de la République tchèque, la vie de ma mère, c'était un combat de MMA, les gars. Je crois qu'il doit avoir le pif cassé, miskine, mais le mec, il est resté sur le terrain, ça me choque, il avait un coquard, les gars, vous avez vu? Quand il est sorti, le coquard qu'il avait, miskine, il ne voyait plus que d'un œil, les gars. Comment vous voulez qu'il marque des buts avec un œil? Je sais que c'est un mec surréaliste, un surhomme, les gars. Mais les gars, faut pas trop lui en demander, les frères. Mais les gars, dites-vous bien une chose. Pour ceux qui connaissent pas le football, je vais vous expliquer la manière de jouer de CR7. Les gars, CR7, aujourd'hui, son rôle, vous savez, c'est quoi? C'est d'amener deux défenseurs avec lui pour laisser de l'espace à ses coéquipiers, les gars. Je vous le dis tout de suite. La vie de ma mère, CR7 n'a plus besoin de marquer des buts. CR7, c'est CR7, les gars. CR7, c'est incomparable, les frères. La vie de ma mère. CR7, il amène deux défenseurs avec lui et ça laisse des espaces de malades mentaux à ses coéquipiers, les frères. Et quand vous aurez compris ça, vous comprendrez l'importance de CR7. Quand l'autre, là, Ten Hag à Manchester, il aura compris ça, frère. Manchester finira premier du classement de Première Ligue et j'ai pas peur de le dire. Vous avez vu la connexion qu'il y a eu ce soir entre les trois mancuniens, les gars, la vie de ma mère. Oh, Fernandes, Diogo Dalot et CR7, c'était incroyable, les gars, incroyable. La vie de ma mère, c'était insane. Donc voilà, les gars, merci à tous. Ils n'ont pas intérêt. Ce soir, j'étais plus, les gars. Et les gars, j'étais plus suisse que français ce soir. La vie de ma mère, les Suisses, incroyable. Deux occasions, deux buts. L'Espagne, que décomplexée sur le terrain. Incroyable. J'espère juste que, oh là, que si les Suisses, ils ont pu le faire. Nous, on a gagné 4-0 face à la Suisse. 4 ou 5-0 face à la Suisse. Comment peut-on perdre contre l'Espagne, les gars? J'y crois, les frères, j'y crois. Vous allez voir, mais les Portugais, c'est tellement décomplexé. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Ils aiment bien se mettre dans la merde. Ils vont aller chercher le match nul face à l'Espagne. C'est complexé alors qu'on est 10 fois supérieur. 10 fois, et j'ai pas peur de le dire, bordel. La vie de ma mère, c'est vrai. Donc voilà, les gars, merci à tous. On se retrouve demain soir pour le match de la France et mardi soir pour le match du Portugal, les gars. Bise, les gars, faites attention à vous et à la prochaine.